Qui je pour bah ça finit bien. Son bail qui est extrêmement difficile. Naturellement, il y a des bails qui sont privés là. Nous ne pouvons pas prévoir que les gens de bail comme ça sont capables de priver. Il n'y a pas personne monde qui te prévoit. Au lieu de nous parler de difficultés pour fonctionner, de solutions, il n'y a pas besoin de bagages qui sont plus difficiles que nous ouais, que nous prévoit. Mais là, nous tombons dans la rue. Notre tripotage, n'a parlé de monde, capement de monde, corps de bail comme ça. Donc moi quand nous totalement dehors du sujet. Et pile illégalité, irrégularité qui fait dès le départ et des modifications qui fait ouais, jusqu'à présent n'est que beaucoup j'aime cap publier à 4 avril là parce que pile bail fait qui contraire à ça à 4 avril là te dire. Or à 4 avril là, c'est une entente entre les secteurs qui signe un accord. Mais un décret gouvernemental, qu'on y a posé cette question, est-ce que ce décret est capable de modifier l'accord là? Est-ce que vous êtes capable d'utiliser ça dans le décret pour modifier l'accord? Donc c'est totalement. Et vous pouvez rentrer dans le bail sérieux. Et vrai problème pays a pral derrière. Vous derrière, vous avez fini. Donc. Et bilan tout le monde est là. Pas de personne qui sent rien de positif. Au lieu de régler, répondre à une question, les gens qui déplacent, qui ça a fait pour retourner la caillou. Même dans les bagages de disposition pour faire rentrer de classe là. Et là, on dit par exemple, pour avoir 20 000 gouttes dans le temps, ça, non pays de rentrer de classe en Haïti. Donc, bon, c'est des soulagements, mais ce n'est pas solution. Et même genre, problème insécurité. Yo capable de faire des bagailles qui capable bon impression bon soulagement là-dedans mais moi pas quoi acteur qui là yo concentré suffisamment sur vrai problème que population gagne que tu as concentré sur lui laisse ça tu as ouais nature problème non difficulté qui gagne et moyen pour chercher tant du point de vue humain que du point de vue matériel mais ça pour même arriver dans zone quand il a réfléchi à même ces détails à régler. Non, il sorti un rapport contre que il a demandé 100 millions de gouttes. ULCC était présent à ULCC mardi pour te répondre aux questions et secteur. Est-ce que vous pensez que Saint-Augustin a crédibilité pour remplacer Edgar Leblanc après mandat de Leblanc? Moi, pas porter jugement sur deux bagages que je n'ai pas donné. Sur. Et moi, pour moi-même, ces formules-là, même qui ne sont pas bon, qui ne sont pas capables de solution, mais faire ça, vous voulez. Vous n'avez pas atteindre un objectif que vous avez, vous n'avez pas capables de résultat. Dès le départ, je dis, comment vous pouvez comprendre pour prendre Haïti, pour prendre 9 personnes, pour mettre cap discuter, pour prendre une décision sur chaque dossier d'État. Ça, on ne l'a pas dirigé comme ça. Donc, moi, je crois que c'est le bail pas cap surmonter. Je ne vais pas rentrer dans la crédibilité ou l'autre. D'autant que le sujet est devant une instance d'investigation qui est ULCC. Mais normalement, la disposition que tu prends, tu dois en attendant. Alors, il y a un déficit de leadership dans le groupe là. Parce que fait pour des gens qui te dit deux scandales pareils, mais qui disposition à prendre. Et qui impose ça à tout le monde. Même ça, il n'y a pas de faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le crédit parce que deux personnes qui parlent de affaires volées, est-ce que nous levons l'État dans le niveau ça? On ne va pas connaître si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Bien que le grand type pauvre, de mon côté, c'est que le grand feu qui est en bas, même si l'ambassade. Donc, il y a trop de choses graves que la population obtient pour ces deux sujets. Et je ne sais pas qui vais pas sortir. Parce que. On dit que Edgar Leblanc t'a pris une mesure, t'a dit ok, le métier n'a pas d'autorité pour ça. Parce que lui-même encore le signe que les bonnes décisions prend en temps et CBTA, il faut que c'est au 5 qui vous décide. Donc, il n'y a pas qu'à prendre une décision. Il n'y a pas qu'à prendre une décision unilatérale. Donc, il n'y a pas qu'à comporter le grand chef. Face à une situation, tu as pris une décision, il n'est pas capable. Plutôt ce que tu as pris un autre sujet, plutôt ce que tu as blindé entrer dans le pays, la police. C'est narratif
et qui est lié à des opérations, il faut toujours prendre ça avec un peu de recul. Parce que la propagande, que ce soit la police qui a fait propagande par, que ce soit M. Bandio qui a fait propagande par, visait un objectif pour blaser l'autre là, pour montrer l'autre là plus faible. Ne qu'a pas les a, les gens doivent faire pile pète, oui. Il va parler de pète par pour le cap pas craser moral tout par lui. Donc faut prendre un actif avec beaucoup de recul pour cap prendre qui ça la vérité. Maintenant on dit par exemple que des bandits disent qu'ils prennent des armes la police. Là on monte aux armes. Comment on va faire connaître si ces armes la police, si ces armes. Donc dans le narratif de guerre, il faut prendre pile précaution parce que la parole qu'a dit visait à faire une série de monde, quoi une série de bagages. Tant de monde qui sont en campagne que de monde qui est en face là. Il y a dit de bagages pour attaquer le moral monde qui est en face là. Et il y a dit de bagages qui pour renforcer le moral monde qui est avec lui. Il y a doit perdre 20 nègres, il y a des nègres qui sont blessés. Et la police doit dire même bagages là tout. Et le narratif de guerre, il faut prendre pile précaution avec lui. Maintenant, ça nous gagne là le bagage bluff la donne jour gain résultat vraiment gain des noms qui vont attendre gain des noms monde tout temps nous pas attendre ou bien arrêter monde ça ou bien monde ça tomber au combat ou bien yo neutraliser monde sur de bagarre c'est que c'est parler n'a parlé autour de bagarre là moi te général Koni te réuni avec tout état major t'a fait séance d'état major sûrement c'était pour faire monitoring et opération qu'a fait pour la baille indication parce qu'on est les opérations comme ça les grands généraux sont tous réunis et puis il y a évalué situation il y a passé combien de bateaux il y a baille conseil il y a évalué les gens qui sont blessés il y a descendu à porter au secours à l'hôpital donc nous on a un gros bagaille sérieux que rien de monde sorti pour prendre pour faire le théâtre de manière consciente ou pas. Mais où tu prends, pas qu'il y ait un résultat, où tu prends, j'ai eu pas. Plus en liste, ça fait quoi que le fait que pour être en gare pour l'été de San, l'hôpital Benameuse, à l'oué, policier qui est blessé, nous avons des actes qui sont vraiment médiatisés, c'est un beau erreur stratégique que lié pour la police. On a connu le plusieurs. Pardon, général Koni, général qui est-ce qui était de San, l'hôpital Benameuse, hier, pour l'état de policier soit qui était blessé dans le noyau. Il y a un peu d'analyse qui a fait quoi que c'est une erreur stratégique que la police a fait, étant donné que des satellites vont médiatiser plusieurs médias de là. Bon, et comme moi dis, moi pas gain élément d'appréciation de même. Le général en chef qui est sur le terrain des opérations, c'est général Koni. Donc c'est lui-même qui a évalué qui bonne décision pour le prendre. S'il y a des hommes qui étaient blessés, il descend à l'OEO, moi crois que c'est un bon bagage. Que la réconforter M. Sayo, d'autant que moi, je dis que dit que nèg sous lit d'hôpital et côté blessé, je dis c'est tant y'a tant de fin guéri là pour repasser à l'assaut. Donc, la peut stimuler le moral nèg yo, la peut encourager au son bon bagage. Et la fin avec question ça. Fonctionnaire d'entente nationale, oui, recevoir la presse aujourd'hui hein, pour le prononcer sur la situation sociopolitique qui entravait le secteur économique pays. Et d'entrée des jeux, n'a pas demandé trois messieurs sages qui ont indexé dans l'affaire 100 millions de gouttes pour avoir nécessité pour bailler des missions pour éviter les pays humiliés davantage. Ils ont été déjà connus depuis que nous avons 9 membres. Représentant et communauté occidentale, tu connais ça ta privé. C'est parce que tu connais ça ta privé même qui peut mettre 9 pour ensemble. Tu connais un paquet de grand goût, c'est l'argent que tu vas chercher. Si tu es sûr, 9 membres, tu es capable de payer en sortie dans un passe difficile que tu as, tu peux quitter ou réunir ensemble. C'est pour la première fois dans la vie, ou bien depuis que j'existe, moi, président, après aller devant une institution de contrôle ULCC. Je me demande à qui titre tu as. Est-ce que c'est à titre de président ou bien à titre de simple citoyen? Si c'est de simple citoyen qui l'a eu des missions et qui l'a eu reprendre place, je me demande avec ça.
yo fè humilié Haïti trop. Donc mon conseil bay démission. Malheureusement, pas gen aucune provision légale pour Mathieu Pagain, aucun secteur et CSPJ Pagain, ULCC Pagain pour le forcer à démissionner. Li revient à eux-mêmes pour bay démission. Sinon peuple qui pour prendre la rue pour le forcer à démissionner. C'est pas seulement eux-mêmes qui pour démissionner, c'est toute CPA. Parce que yon pas inspiré à ici confiance. Yon constitué ça nous un gouvernement colonial qui vini mettre en application plan patron pour détruire pays en net. C'est dans le cadre ça nous dit non seulement d'ailleurs ça yon a bail démission pour mettre à la disposition de la justice, mais c'est pays en net aller parce que seul moun yon te bail un petit crédit c'est Edgar Leblanc. La lot bon, il doit tout ba marcher bien dans le pays. Même Jean Henri Lampi qui est allé dans les Nations Unies, il dit Jean Figui Mozan, quand ça a payé en Rosto, c'est même bagaille. Les Blancs, comme président pays, al fait devant CARICOM, al humilier Haïti davantage. Et dans le cas de ça, nous demandons équipe ces pays, bah les pays ont une chance. Al fait route pour gagner. On l'autre équipe vini pour essayer de exécuter plan ça, faire des routes ça. Qui guère résoudre problème de sécurité hein, jusqu'à présent au Bénin en rien parfaitement en sécurité hein, pour faire référendum non, et puis faire élection pour un président démocratiquement élu pour capable prendre mener bac pays à bon port faire peuple qui ont lieu d'espoir. Et après ça je voulais parler non me dit Gary Conny me saisi ouais il pas gain dimension d'homme d'état me saisi ouais comportement et en même temps pas gain conseil. Je ne peux pas comprendre un premier ministre qui a gardé un canal qui fait autant de bruit. Au lieu d'aller avec le ministre de l'Agriculture, le ministre des Travaux publics, avec un conseil de techniciens, pour mettre tête ensemble, pour voir comment on peut finaliser la construction du canal là et faire ou permettre de arriver sur l'espace et au côté où on peut le produire, préférer créer un scandale qui donc, au lieu de qui l'a depuis longtemps capté le canal là, l'a allé rencontrer un porte-parole. Un porte-parole, comme nous indiqué, c'est porteur des paroles des commissions, hein, c'est-à-dire de tout le monde qui a géré le canal là administrativement et tout le monde qui a géré le canal là techniquement. Au lieu de faire ça, l'a rencontré, l'a fait politique avec un porte-parole. Mais un scandale ça qui arrivait, hein, m'a dit tout le monde qui a attendu là. C'est un pile sagesse qui fait le patrivé depuis longtemps. Tout le monde connaît le canal, ça a été commencé à construire par le président Jovenel. Et pendant que je suis avec le président Jovenel, moi c'est Nicolas, le président Terelim, il a dit que je suis dans la construction du canal. Je dis président, je viens de dire même. Donc quand ça a passé, le président a envie de mourir, le canal a été campé. Et le canal a campé. Un jour, je me dormis, je me suis sur le canal de la présidente Jovenel. Je me suis un film, je me suis fait un documentaire pour moi pour nous commencer et maintenant plaidoirie pour reprendre la construction du canal. Je me suis fait un documentaire dans ma salle PDG Borges, Patrick Moussillac, et le documentaire ça, je me suis dévoué, je me suis passé dans la radio. Et PDG Borges, encore, chaque 7 juillet, bonne possibilité de parler de toute grande construction président et projet président Jovenel de commencer qui pas qu'à finir, nous toujours parler des canaux là. Énergie ça a passé, quelques travailleurs dans Wanamet commencer à reconstruire canal là. M'apprendre ça à partir de Radio Télé Guinée, me faire promotion et puis et Booster John et mon affaire Bon TV. Énergie a passé, diaspora entre la dedans, canal là commencer construire. Yon bon matin, et secrétaire général Ami Jomon a dit, ah, ministre, il est bon pour aller sur le canal là, compte tenu du travail qu'on a mené pour le canal ça recommencer. Et pour Jomo, qui gagne Giro France, MVP qui gagne Marseille, Fonod qui gagne Rosemont, et avec Ami Jomo, qui est le coordonnateur général, nous prenons Boss Chapante. Ferrailleur, ingénieur, boss maçon, nous débarquons dans le canal. Les non-rivés ont commencé à faire
et activer le travail là beaucoup plus. Les non-rivés, heureusement, comme nous féliciter les jeunes ingénieurs qui étaient là, dynamisme et courage, notamment ingénieur Claude, ingénieur Gilles et tant d'autres, mélangés à ingénieur par nous, travail là pas avancé sérieusement. À notre grande surprise, par contre, si notre tandem, auditeur et téléspectateur qui a regardé là, nous avons eu le canal d'eau. Après 3 jours dans le canal là, travailler à pencher sérieusement, le canal d'eau vient côté me dit, ingénieur, tant pis, pas manger, pas boire. Surveiller pour toi, mettre corps, faire les gens qui vont retourner dans la bonne sécurité. Je me dis, c'est pour qui ça, je ne vais pas regarder rien encore. En l'autre moment, il dit, ingénieur, mon réunion a fait sous dos là, dans le dépôt, allez, attendez. Je suis arrivé, je rencontré Whitlin avec un certain Josaphat. Je suis arrivé, je n'ai pas dit, mais je venais ici, je viens prendre le canal là maintenant. Et si je venais ici, je vais retirer le corps, en pile des autres après ce canal là. Je me dis, ah bon? Qui ça nous dit en termes de journalistes sur le canal là? Il dit, depuis qu'il est là, tout le monde sait de où il a parlé, de canal là, pas possible. Je venais pas venir pour le canal là. Déjà, je venais manger comme sur le canal là. Je me dis, ah bon? Heureusement, sorti pour le faire accrochage. Je me dis, heureusement, 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 dans le premier temps, pas vu tempérer. Je me dis, heureusement, tout scandale là a allé en avantage de la République Dominicaine. Tout scandale a impacté et dans la construction. Construction canal là.